Politique générale du gouvernement pour la promotion des PME, bilan et perspectives. C'est le thème du grand oral du ministre de la promotion des PME, Félix Anoblé, devant les sénateurs à Yamoussoukro. Une séance d'information pour répondre aux préoccupations des populations. On en sait plus avec Kades Ogodogo depuis Yamoussoukro. Dès sa prise de fonction, le président de la République, Alassane Ouattara, s'est fixé comme objectif de faire des petites et moyennes entreprises, PME, un rempart sûr du dynamisme de l'économie ivoirienne. Environ une décennie après, comment se porte le secteur? Le Sénat veut en savoir davantage, surtout en cette période de la COVID-19. Le Sénat a salué la mise en place d'un plan de soutien économique, social et humanitaire de 1 700 milliards, comprenant notamment un fonds de soutien COVID-19 aux PME de 150 milliards de francs CFA. 150 milliards, est-ce suffisant? Monsieur le ministre, nous posons la question de savoir quels sont les critères que doivent remplir les PME pour bénéficier d'un financement provenant de ce fonds. Quelles sont les garanties pour une gestion transparente de ces fonds? Quelles sont les mesures prises pour accompagner durablement les PME en proie aux effets de la crise sanitaire actuelle? C'est à toutes ces interrogations que les sénateurs voudraient avoir des réponses. Monsieur le ministre, le Sénat en tant qu'institution de représentation nationale est bien conscient des efforts consentis par le gouvernement en vue non seulement de promouvoir les PME, mais également d'alléger les effets pervers de la crise sanitaire sur les PME et sur l'activité économique de notre pays. C'est pourquoi je voudrais, en mon nom propre, au nom de tous les sénateurs, réitérer mes vives félicitations au président de la République, son Excellence M. Alassane Ouattara, et au Premier ministre Amadou Gon Coulibaly, pour l'ensemble des mesures prises jusque-là en faveur de ce secteur qui fait vivre la majorité de la population ivoirienne. Pour la présentation, Félix Anoblé, ministre de la promotion des PME, 60 000 PME formelles, plus de 150 000 entreprises informelles, plus de 20% du PIB, 12% de l'investissement national, 23% de la population active, les PME font leur petit bonhomme de chemin sous la houlette du gouvernement. Le gouvernement s'est engagé à mettre en place une politique ambitieuse de promotion et de développement des petites et moyennes entreprises. Cette politique s'inscrit dans la droite ligne des décisions prise par le président de la République, son Excellence M. Alassane Ouattara, soutenue et mise en œuvre par le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly, chef du gouvernement. Au lendemain de la crise post-électorale, repose sur sa vision de disposer d'un tissu dense de PME productives et compétitives. Elle est également conforme à la politique régionale de promotion et de financement des PME initiés par l'UMOA. La dite politique traduit notre ferme ambition de positionner effectivement la promotion et le développement des petites et moyennes entreprises comme une priorité nationale. Pour accompagner les PME, l'État a créé plusieurs mécanismes de financement. Un volet important, la COVID-19, 150 milliards de francs CFA de l'État. Les conditions d'accès à ce financement sont connues. Il s'agit donc d'être une entreprise légalement constituée, produire les états financiers donc passés et prévisionnels, produire la déclaration donc CNPS, produire un plan de continuité de l'entreprise. Quelles sont les perspectives pour le secteur des PME? Nous sommes en train donc de mettre en œuvre l'ensemble des tests qui permettent de faire en sorte que d'ici, nous dirons fin 2021, la Côte d'Ivoire puisse dire véritablement quel est un pays soutenu par ses PME. Parce que nous considérons que 12 à 18% de participation au niveau donc du PIB, c'est faible pour les possibilités qui existent. Un programme est mis en place pour permettre de créer en Côte d'Ivoire de nombreuses entreprises manufacturières pour transformer les produits agricoles de la Côte d'Ivoire. Prochain invité devant le Sénat, Kandia Kamisoko Camara, avec le ministre de l'Éducation nationale, de l'enseignement technique et de la formation professionnelle, il sera question de la qualité de l'enseignement dans nos écoles en cette période de coronavirus.